pas être comédienne, je voulais être danseuse. Les gens manquent de sourire de nos jours, donc on devrait rire et chanter et danser et la vie serait beaucoup mieux. Je sais pas danser. Je sais chanter, mais je sais pas danser. Je danse pas. Autrement, peut-être je danserais si j'aimais la danse. J'aime pas tellement la danse. Dans le ventre de sa mère, on entend le rythme cardiaque et on entend toutes les tonalités de l'environnement. Et chaque être humain a un sens du rythme qui vient avec la marche. On est tous des danseurs quelque part. Chaque personne a sa propre manière de bouger, sa propre tenue physique. Et c'est très complexe, c'est quelque chose qu'il a développé depuis qu'il est né, en fait, enfin depuis qu'il a commencé à marcher en tout cas. Il y a tout un mouvement qui se passe partout, aussi quand on voit des gens dans la rue qui marchent et tout ça, toutes les formes qui se font, c'est parfois beaucoup plus beau que le meilleur des ballets. Chaque solo a une certaine vitesse, un certain rythme avec des changements de direction. Dans les duos, c'est souvent une des deux personnes qui guide. Le mouvement, le geste, est toujours, dans la vie quotidienne, porté par une relation à l'affect. C'est-à-dire qu'il est toujours la conséquence d'une pensée qu'on a à un certain moment. Si je vous dis « je vous aime », mon corps va se mettre dans un mouvement qui va être un mouvement lié à cette pensée, probablement généreux, probablement tendre. Si je vous dis « je vous hais », mon corps va rentrer dans une tension et va révéler effectivement ce que ma pensée va m'indiquer nerveusement à ce moment-là. Je pense que l'homme est avant tout mouvement, avant même d'être pensant. Il y a une énergie vitale qui a besoin de s'exprimer par le corps. Alors même lorsque tu as des gestes brutaux, même lorsque tu te délies d'une certaine façon, tu danses. Et si on transformait ces tics de nervosité en un rythme, on arriverait à retrouver un calme intérieur, une harmonie. Chaque corps a une mélodie. Mais cette mélodie est modifiée par l'endroit où l'on se trouve et l'ambiance qu'on donne à sa propre marche. Et quelle est la meilleure façon d'échapper à cette condition humaine pesante, sinon de s'oublier à travers son corps? Il y a faire l'amour, bien sûr, mais il y a aussi bouger, bouger dans le monde. Il y a une personne sur deux qui danse sous une forme ou sous une autre. Ça peut effectivement être en boîte de nuit, en danse de salon, mais on aime bien danser, comme on aime bien chanter. Step, push, step, push, step, clap, going back. You have... Ce qui est essentiel quand on veut transmettre à des jeunes, à des gens qui ne sont pas forcément formés à ça, un outil qui leur permet de contrôler leur corps, de le gérer et de bouger, c'est impossible à faire si, à la base, il n'y a pas une technique que l'on peut enseigner. Ça se danse à plusieurs, c'est ça qui vient, ça nous rapproche. C'est un sport collectif. Vous
sont mal dans leur corps, c'est tout le monde qui danse le hip-hop. I think everybody is able to create their own rhythm and to be able to do their own thing. It's just how much are you willing to be vulnerable in front of people?